Jeune, crois-moi. Intéressant.
4 sous pour le meurtre. Je n'ai pas pour moi. Bonjour. Vous avez triste mine. Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor, seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de Delasserre? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et Sivert n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur Delasserre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur Delasserre. Une épingle fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. Comment vas-tu, mon ami ? Madame Gouze et Monsieur Grisier la nuit dernière. Oh, vraiment? Et que faisait-il, je me le demande. J'ignore. C'était dernier. Il se tenait près du mur.
Et toi, que faisais-tu près du mousse du pont à minuit? Parole, mais que signifie ce vacarme? Probablement un voleur. Viens par là, oui. Particulièrement hideux. Ou ne veut qui n'a pas sa gazette? Ah bon, j'ai envie de dire ça. Ça va mal tourner.
Encore une infraction. On est en sécurité nulle part. Je vais t'étriper, ce bandit. Quelqu'un pourrait-il enchaîner ce coup?